Première fois qu'on met des chaussures à Kenan. Je fonce. Ah, il est Allez, mon magnifique. fils, maintenant tu n'as plus qu'à marcher. Viens voir papa. Mon bébé d'amour. Il n'a pas envie de me laisser me préparer. Lui, il est prêt, ça y est. Je l'ai posé pour me préparer moi. Alarme générale. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de m'arranger un petit peu. Ce qui va laisser sa mère un peu s'arranger. Et mon fils, tu me laisses? Je vais réessayer. Vraiment content parce que ça y est, là il a vraiment bien dégonflé. Il me reste que le côté là, c'est ouvert avec la mèche, mais bon, c'est en train de faire le travail tout seul, on va dire. La mèche elle est en train de faire le job, mais vraiment ça a bien dégonflé. Voilà, j'ai plus du tout mal. Je suis content parce que j'avais un peu le stress. Je me disais merde, quel mauvais délire! Et qu'est-ce qu'elle a, elle danse? Je suis en train de vous parler, elle arrive comme ça en dansant. J'étais censée te séduire, je voulais te Oui, charmer, ok. bien sûr. Ne me filme pas, Tu s'il te danses plaît. Shaoui ou tu danses. Oh, charme. Bon, il m'a laissé me préparer mon fils. Il s'est dit pour que ma mère elle s'arrange un petit peu, qu'elle se fasse un beau teint, qu'elle se sape un petit peu. Il a été clément avec moi. J'ai remarqué que j'ai changé de place dans la voiture maintenant. Il est toujours à l'arrière, côté de mon prince. Non, non, il est seul devant du coup. Vous me faites conduire. Hein? Vous avez votre chauffeur privé, vous me faites conduire. C'est ça, chauffeur privé à disposition pour mon bébé et moi. Côté passager, il est vide. C'est ouf, n'empêche. Regardez, je vous explique. Il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière, on était sur des trucs. Bon, voilà, maintenant on est sur des réunions parentales. On est sur des réunions parentales. Ça a commencé dans Secret Story. On a commencé une belle rencontre dans Secret Story, de belles engueulades. Et maintenant, on papote entre mes mères. Mais grave! C'est magnifique aujourd'hui, mais tu fais Snap en même temps. Ça veut dire que je suis moche. Je t'appelle Kenan. Ah, je croyais que tu parlais de bébé. Non, mais Nono, et Kenan, il a rencontré Zlatan aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis perdue. Et moi, je me suis rencontrée depuis avec de Lolo. C'est génial. 12 jours d'écart, ils ont. Et j'ai, comme je disais, la dernière fois qu'on s'est vu, on était enceinte comme ça. Et là, ben, les ventres sont rentrés. Et là, moi, dans les bras. J'ai même ouvert la braguette. Voilà, magique. C'est ouvert. Voilà. Elle est folle. Bon, ben, de retour à ma place, du coup. On a fait connaissance du petit Zlatan. Il est trop, trop, trop beau. Et il nous faisait rire parce qu'à un moment donné, lui et Kenan, ils se sont regardés comme ça. On dirait qu'ils se parlaient, qu'ils se comprenaient, qu'ils se sont dit bonjour, ils se sont regardés. Ils se sont endormis en même temps. Ils se sont endormis en même temps, les deux. Comme s'ils se sont déjà à l'heure. Comme si, voilà, ouais. Bon, allez, ben, enchantée à toutes. On se repose. Non, c'est trop beau, les bébés, je vous jure. En plus, ils ont 12 jours d'écart. Ça fait trop rire. Petit copain. Et puis voilà, quoi. Le mien, ben, du coup, il ne s'est pas encore réveillé. Enfin, je sais pas qu'il chouine, il nous fait des petits bruits style. Il miaule. Ouais, il miaule. On dirait un petit chat. Mon petit chaton. Et puis voilà, quoi, tout va bien. On est content. Vous avez dû remarquer que la majorité des couvertures de Kenan, surtout les trois que je lui mets le plus souvent, je rince, je lui remets, je rince, je lui remets, c'est celles qui viennent de chez Pulsera. Je vous avais montré quand elle n'était pas encore née. Baby KN, donc celle-ci c'est la grise que j'ai aussi en blanche. Et l'autre, il est en train de se taper des discussions avec son fils. Et l'autre, c'est celle-ci, K plus N, la blanche du coup. Elle te manque. Viens, papa, viens. Viens, papa. Oh, il a grossi. Ouh là là, il tire son père. Oui, mon petit aglo. C'est trop mon père, Noré, je vous jure. Mes pattes. Hey, les petites briques. Vous savez, je vais vous dire un petit truc. À la base, tous les nouveau-nés. Écoute, ne pleure pas maintenant, complimente papa, ne foire pas tout. Je t'écoute, Kenan. Ah non. Non. Il a regardé, il a fait ça. Non. Bon, complimente ton fils, peut-être. Bon, non, je vais complimenter mon jaloux. Fils. Jaloux. Déjà, tu m'as mis la place du con, je suis second maintenant à cause de toi. Je passe second. Tu m'as volé toutes les places sur le fauteuil. Je continue à pleurer quand il me complimente. S'il te plaît, non. Voilà. T'es content? Tu vois, tu fais de la peine à ton fils, il a arrêté de pleurer. Ouais. Merci. Je vous disais, je vais finir pour pas que Kenan y pleure. Noré, à la base, tous les nouveau-nés, notamment tous ses neveux et nièces, il ne les portait pas quand ils étaient nés.
Parce que, et quel que soit l'enfant. Ah, j'avais peur. Voilà, même les enfants de. Qu'importe, ma famille, sa famille, les bébés des amis, il ne les touchait pas parce qu'il avait trop peur. Et je disais parfois, Nourri, tu abuses, ça va, tu le prends juste délicatement. Mais je disais, non, il avait trop peur. Je me suis dit, comment ça va être avec notre fils, avec notre enfant? Et pendant toute ma grossesse, je disais, Nourri, j'espère que tu ne vas pas me faire des blocages, que tu vas prendre le bébé, même à la naissance et tout, que je n'attends pas qu'il ait plusieurs mois pour déstresser, quoi. Et ben franchement, dès qu'il est né, comme il agit sur sa tête, et il le manipule de pleine façon, il n'a pas peur, il ne stresse pas. Sur Insta, j'ai fait une question-réponse. Je vous ai posé, enfin, demandé de poser des questions pour les personnes qui ont des questions, du coup. Et je vais y répondre là, d'ici 5-10 minutes. Nourri s'est occupé de Kenan. Regardez où est-ce qu'il lui a mis la peluche. Vous savez les peluches qu'il faut qu'ils mettent de la musique, là? Est-ce que c'est normal? Mais tu penses que tu vas calmer ton fils comme ça? J'espère. Mais non, c'est pas la bonne technique. Mais non. Ah, oh, là il a allumé la lumière pour que les étoiles elles apparaissent. Et il pense que c'est ça qui va tout changer. Mais elle est pas forte la musique. Hein. Mais ça suffit, c'est pour son âge, c'est ce qu'il faut. Pas plus fort. Il me régale. Il a de ses inventions, il me régale. Bon, je vais pas vous. Ça marche. La vérité, ça marche. Je peux pas trop critiquer là, ça marche. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que Papa Ours allait mieux. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Bon. Tu as dit quoi, Papa qui? Papa Ours, je t'appelle. Âme sensible. Non, je ne vais même pas dire âme sensible, s'abstenir, parce que si les personnes craignent, moi personnellement, j'ai failli tourner de l'œil. Mais il a un trou, en fait. Vu que c'était quoi, Nourri, déjà, quand l'infirmière t'a mis à l'intérieur? Une mèche. Pour que, du coup, il y ait le pus qui puisse sortir au fur et à mesure. Sauf que ça lui a fait un trou. Mais il a un trou comme ça, ici. J'ai l'impression qu'il s'est pris une balle limite, un gros trou. Bon, après, ça va se reboucher à mon avis, mais il n'a plus de pus du tout. L'œil, il a très bien dégonflé, il n'a plus de douleur non plus. Donc, franchement, il a échappé belle. Alors, c'est pas le truc le plus grave au monde, mais vu que ça touche l'œil et l'ORL et aux urgences, ils lui ont dit que ça pouvait empirer. Du coup, il a vraiment échappé belle et. Tu feras attendre, donc s'ils ont un problème, vous allez directement à l'hôpital. C'est ça. Ouais, exactement. Si jamais ça vous arrive, bon, déjà moi, je vous conseille, c'est que vraiment, ne pétez jamais vos boutons à ce niveau, et même sur le front, déjà sur tout le visage de base, il ne faut pas le faire. Mais si vous voyez qu'allez vous appuyer un petit peu et qu'il n'y a rien qui sort ou que c'est pas assez mûr, ne forcez surtout pas. Parce que lui, le problème, c'est que le pus, il s'est crevé, on va dire, à l'intérieur. Et c'est ce qui a provoqué ce qu'il a eu. Donc ça, ne le faites jamais. Et quand bien même si ça arrive un jour ou si vous voyez disons que ça enfle d'un côté ou autre, foncez direct. Non, je suis pas Dr House, mais je peux parler de notre expérience, non? Foncez aux urgences. Ils l'ont dit là-bas. Heureusement qu'il s'est pris à temps pour justement aller mieux. S'il avait traîné ou s'il avait laissé, ça aurait pu s'empirer directement et on aurait eu des dégâts, quoi. Mais en tout cas, il va mieux et merci de tous vous être inquiétés pour lui. Il va beaucoup mieux. Game over. Kenan 1, Nourri 0. Kenan 10, Nourri 0. C'est un fight pour la première. J'ai tout essayé. Game over. Kenan 1, Nourri 0. Kenan 10, Nourri 0. C'est un fight pour la première. J'ai tout essayé. Le seul endroit où il est bien, c'est l'épaule. Eh ben, tu restes comme ça. Hein. Moi, ça me dérange pas. Tu es bien, en plus, t'es tout. Mon amour. Mon petit verveux. Ça, vous voyez ce jogging, c'est vraiment le genre de tenue que j'aime trop. À l'aise avec une paire de baskets, c'est stylé. On peut se faire une belle coiffure, un beau make-up. J'aime trop. J'en ai plein, dans plein de couleurs différentes. C'est trop. Y a rien qui l'arrête, ce mec.